All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Welcome back, Mrs. Snowdy. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Pour cette prochaine partie, ce sera Maître Jacobs qui va prendre la présentation, qui portera sur l'élément contextuel du crime contre l'humanité et une partie des modes de responsabilité. Merci. Avec plaisir. Please. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, comme nous venons de le démontrer, l'accusation est-elle incapable de démontrer l'existence de l'élément contextuel des crimes de guerre? Principalement parce qu'il est incapable de démontrer que ce qu'il appelle la Seleka pourrait constituer un groupe suffisamment structuré, organisé, hiérarchisé, au sens de l'article 8 du statut. Les arguments de l'accusation portant sur l'élément contextuel des crimes contre l'humanité échouent pour les mêmes raisons. L'accusation a l'obligation de démontrer l'existence d'une politique, d'un État ou d'une organisation. Et force est de constater à la lecture du DCC et du PCB, qui ne le fait jamais. Sur ce point, l'accusation évoque une politique conçue par la Seleka et exécutée par des fonctionnaires et des éléments du gouvernement de la Seleka, au paragraphe 68 de son PCB. L'on voit ici encore que le procureur se cache derrière le concept monolithique de Seleka, qui ne recouvre aucune réalité, ce qui sera notre premier point. Le procureur ne démontre pas plus l'existence d'une politique, ce qui sera notre second point. Le procureur ne démontre pas non plus ce que recouvre cette idée vague de gouvernement de la Seleka, ce qui sera notre troisième point. Enfin, et ce sera notre quatrième point de cette présentation, nous tirerons les conséquences de cette absence de démonstration sur la faiblesse de l'argumentation de l'accusation concernant la responsabilité de M. Saïd. Comme nous l'avons démontré, la Seleka n'a jamais existé comme une entité homogène, ni avant l'arrivée à Bangui, et encore moins après. À cette époque, la coalition déjà hétérogène et peu organisée, qui était entrée dans Bangui dans le seul but de faire tomber le gouvernement antidémocratique du président Bozizé, s'est complètement fragmentée et dissoute dans des groupuscules en lutte d'influence permanente. Des groupuscules surtout mus par la volonté de récolter les fruits pécuniers de la prise de Bangui. L'ONU résume parfaitement cette atmosphère de chaos généralisé. Et je renvoie à la pièce CAR OTP
20 34 02 70. Paragraphe 41. La Séléka s'est révélée comme étant plus une composition de blocs en recherche de leur intérêt individuel, essayant de trouver des ressources personnelles plutôt qu'un gouvernement avec un agenda politique clair. Faire partir Bozizé du pouvoir semblait être la seule stratégie qui unifiait les anciens groupes rebelles. La Séléka demeure une entité non homogène, avec des soldats qui prennent des instructions de leur propre commandant. Fin de citation. Le secrétaire général des Nations Unies, quant à lui, noté en mai 2013, je renvoie à la pièce 499 de notre inventaire, au paragraphe 34. Les dissensions se sont aggravées au sein de la coalition et les dirigeants ont du mal à contrôler leurs propres éléments. Les combattants de la Séléka refusent d'être cantonnés. De plus, les tensions entre les différentes factions de la coalition persistent et chacun cherche à recruter davantage d'éléments, ce qui accroît le risque de confrontations généralisées entre eux. Fin de citation. Dans le même sens, le IPIS, International Peace Information Service, estime que, dès la prise de Bangui, les motivations des Séléka sont devenues essentiellement de nature financière et décrit un comportement prédateur dirigé vers le gain à court terme, comme le pillage et les braquages. Et je renvoie à la pièce KROTP 2001 57 39. Page 5781. Dans ces circonstances, force est de constater qu'évoquer une politique décidée par la Séléka n'a pas grand sens. Et qu'à l'aune de la réalité qui prévalait sur le terrain à ce moment-là, toutes les affirmations du procureur portant sur cette soi-disant politique, prennent un sens complètement différent. Par exemple, l'accusation s'appuie, pour donner l'impression d'une organisation hiérarchisée, sur ce qu'il appelle la présence de hauts responsables de la Séléka sur le terrain. Par exemple, au paragraphe 77 de son PCB. Or, comme nous l'avons déjà dit, les grades utilisés par des individus ne veulent rien dire et surtout ne disent rien d'une quelconque organisation globale ou générale ou d'une quelconque hiérarchie. Chaque petit chef de bande, s'autoproclamant général ou colonel, et se faisant appeler de la sorte par les quelques hommes qui les suivent. Comme le notait le témoin P234, et je cite sa déclaration 2005. 54-07, paragraphe 47.
Vers août 2013, il y avait vraiment un problème d'État. Il existait plusieurs chaînes de commandement en parallèle. Il n'y avait pas de maîtrise. Presque tous les Séléka étaient des colonels ou des généraux. Je peux décrire la situation comme une certaine désobéissance généralisée, un goût effréné pour le port du galon. Fin de citation. Dans le même sens, les ordres, ce que le procureur appelle des ordres donnés par ces colonels et généraux autoproclamés, relèvent non pas d'une politique ou d'une quelconque stratégie générale, mais clairement, lorsqu'on lit la déclaration des témoins eux-mêmes, d'activités de pillage et de violence, mues par les intérêts personnels et pécuniers de ces petits chefs de bande. L'exemple donné par le procureur en audience hier illustre cette situation. Le procureur évoque le viol d'une victime, je cite, sur l'ordre d'un chef militaire de la Séléka. Je renvoie au transcrit real-time, page 65, lignes 17 à 18. Monsieur le Président, je vais citer une partie de la déclaration du témoin. Je pense qu'il n'y a pas d'éléments identifiants, mais peut-être par précaution, pourrions-nous passer à huis clos partiel. Well, that is fine. Mr. Gotthoff, let's go into private session, please.
We're back in open session, Mr. President. Thank you very much. Mr. Counsel, please continue. Cet exemple montre en réalité l'absence complète de sens qu'il faut donner au soi-disant grade militaire auto-attribué par certains individus. Au lieu de les prendre au premier degré, sans aucun recul, comme le fait l'accusation. Dans ces circonstances, il convient que nous constations ici la réalité que l'accusation refuse de voir. Les événements dont parle le procureur, et pour autant qu'ils soient établis, relèvent d'une criminalité ordinaire, marquée par des pillages, dans le cadre d'une désorganisation complète et d'anarchie généralisée. Confronté au fait que ces pillages constituent l'essentiel de l'activité d'individus difficiles à contrôler et que le moteur de ces individus est l'appât du gain et non une quelconque politique générale, l'accusation continue à être dans le déni de la réalité. Et continue de vouloir faire rentrer les faits dans son fantasme d'une politique générale. Comment ? En essayant de transformer ces pillages, rappelons-le, non visés par le statut de Rome dans le cadre de l'article 7, en crimes internationaux. Et je renvoie au paragraphe 89 du PCB. Le procureur veut donc absolument transformer son dossier, qui expose en creux la criminalité de droit commun rampante en République centrafricaine, en un dossier de crimes internationaux. Mais ce n'est pas la fonction de la Cour pénale internationale de s'intéresser à la criminalité de droit commun. Les événements à Boyrab dans le courant de 2013, dont parle le procureur, s'inscrivent dans cette logique de criminalité ordinaire et de pillage. À part les affrontements sporadiques et isolés avec d'anciens FACA en avril et en août 2013, dont nous avons déjà parlé, ce qui ressort de l'analyse de la preuve du procureur, ce sont des pillages à des fins personnelles et des actes de violence aléatoires. Chaque témoin du procureur décrit que les pierres ont emporté des matelas, des tables, du bétail, des frigos. Et je renvoie par exemple à la déclaration antérieure de P0940, P500 ou P1524. Le fait est que ces pillages à des fins personnelles constituaient le cœur de l'activité des personnes en question et répondaient à une volonté de satisfaire des fins personnelles sans découler d'une quelconque politique ou d'instruction. Au contraire, la preuve du procureur démontre que ces personnes n'obéissaient pas aux ordres, même venant de ceux que l'accusation présente comme des leaders.
Par exemple, P851 dit et je cite, « Lorsque nous sommes arrivés chez moi, les Sélékas nous ont pointés avec leurs armes en demandant qui nous étions. Noureddin Adam s'est présenté à eux, mais ils n'ont pas arrêté de piller. Noureddin Adam leur a dit « Ne pillez pas la résidence. » Fin de citation. Et je renvoie à la déclaration antérieure de P851. Car au TP 2027-01-94, paragraphe 32. Autre exemple illustrant cette réalité. P1970 parle d'un Séléka qui, je cite, a été tué par un autre Séléka avec qui il se disputait des objets pillés. Je renvoie à la déclaration antérieure 2070-09-95, paragraphe 34. L'on voit bien ici le caractère complètement désorganisé et chaotique des actions commises. Au point que des individus dits Séléka s'entretuer entre eux pour des objets pillés. Où est la politique et l'organisation dans tout ça? Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que le procureur ne démontre jamais de politique visant des partisans du président Bozizé. Dans son PCB, le procureur affirme qu'il aurait existé une politique, et je cite au paragraphe 49, dirigée contre la population civile de Bangui, considérée comme acquise à la cause de Bozizé. Cette attaque a été commise par la Séléka en application et dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une attaque contre ces personnes sur la base de caractéristiques qui, selon eux, démontraient leur allégeance à Bozizé. Fin de citation. La démarche du procureur souffre de nombreux biais méthodologiques qu'il convient de mettre en lumière ici. Premièrement, la démarche de l'accusation souffre de ce qu'on pourrait appeler un biais de sélection. Des exemples sur lesquels il se repose. Ce biais de sélection est toujours fondé sur le même a priori non démontré, l'existence d'une politique. Ce biais de sélection opère à deux niveaux. Tout d'abord, parce que l'accusation est partie d'un présupposé non démontré qu'il existait une politique, elle n'a sélectionné que des exemples de personnes qui permettraient de valider à rebours l'existence de cette politique. L'on voit bien ici les limites de l'exercice,
puisqu'en procédant ainsi, le procureur exclut sciemment de son dossier tout ce qui n'irait pas dans le sens de son narratif. D'ailleurs, illustrant ce procédé, le procureur se garde bien de donner le moindre chiffre sur la population carcérale de l'OCRB pendant toute la période des charges. Le procureur se garde bien de dire, comme on l'a vu, que les détenus à l'OCRB sont majoritairement des délinquants de droit commun, souvent d'anciens Séléka. Et c'est bien normal que le procureur ne donne pas ces chiffres, ne fournisse pas ces précisions. Puisqu'alors, ce serait la preuve objective, chiffrée, inattaquable, de l'absence de politique et du caractère isolé des exemples donnés dans le PCB. Toujours parce qu'elle a pris pour point de départ le présupposé non démontré qu'il existait une politique, l'accusation a clairement procédé à l'envers. Elle a identifié les caractéristiques des personnes qu'elle estimait être victimes de cette soi-disant politique. Pour ensuite affirmer que parce que ces victimes auraient ces caractéristiques, la politique devait viser ces personnes ayant ces caractéristiques. Encore une fois, l'avantage pour l'accusation de cette approche circulaire est de ne pas avoir à démontrer la réalité de la politique. Les failles de l'approche du procureur sur ce point sont non seulement méthodologiques, mais aussi factuelles. En effet, si on met ensemble les populations qui, d'après le procureur, auraient été ciblées, cela recouvre la grande majorité de la population centrafricaine. Puisqu'il y a 90% de chrétiens en République centrafricaine et que les trois ethnies évoquée par l'accusation dans son PCB, Baya, Manja ou Banda, constitue près de 75% de la population centrafricaine. En d'autres termes, cela veut dire que statistiquement, pour le dire simplement, si une personne décède à Bangui, quelle qu'en soit la raison, il y a de grandes chances qu'elle fasse partie de l'un des groupes dont parle le procureur. Par conséquent, affirmer que les victimes alléguées feraient partie de ces groupes ne démontre statistiquement rien en ce qui concerne l'existence d'une politique visant ce groupe. La démarche de l'accusation souffre donc d'une confusion évidente entre corrélation et causalité. Puisque pour l'accusation, toute personne qui se trouverait d'une certaine religion, par exemple, serait forcément ciblée en raison de son appartenance à cette religion. Une fois encore, un tel raccourci logique permet au procureur de ne rien avoir à démontrer.
Sur ce point, il est intéressant de relever qu'hier, en audience, c'est la représentante légale des victimes qui est venue contredire le narratif du procureur. Puisqu'elle nous a expliqué que les victimes participantes dans ce dossier n'avaient, selon elle, pas grand-chose en commun et qu'ils étaient d'origine ethnique diverse. J'envoie au transcrit real-time d'hier, page 3, ligne 28, à page 4, ligne 1. Troisièmement et dernier biais méthodologique. La démarche du procureur souffre de sauts logiques rédhibitoires. En effet, même à accepter les déclarations des témoins de l'accusation, qu'au cours des pillages, certains pilleurs ont évoqué l'allégeance alléguée de leur victime à François Bozizé, cela ne démontre toujours pas l'existence d'une politique. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes font la même chose qu'elles ont adopté ensemble une politique pour le faire ou qu'elles avaient le quelconque ordre de le faire. C'est à l'accusation de démontrer que ces incidents isolés ne sont pas le fruit d'une animosité personnelle. Il y a là un saut logique qui ne peut être accepté dans le cadre d'une procédure judiciaire et de la part de l'accusation sur qui repose la charge de la preuve de démontrer les charges. Et à qui il n'appartient pas d'essayer de convaincre les juges de prendre pour acquis ce qu'elle n'a pas démontré. Le seul endroit dans le PCB où l'on pourrait penser que l'accusation allait donner des éléments permettant de démontrer peut-être l'existence d'une politique, et la section où est annoncé, avant le paragraphe 78, la Séléka a reconnu publiquement qu'elle menait une politique de ciblage des partisans présumés de Bozizé. Passons ici sur l'utilisation, une fois encore, du terme générique de Séléka. Que constate-t-on à la lecture des exemples donnés par le procureur ? Qu'il s'agit là encore de cas isolés et surtout individuels, où des témoins du procureur allèguent que leur interlocuteur leur aurait reproché d'être un partisan de François Bozizé. Là encore, nulle démonstration d'une politique. Le témoignage de P1289, auquel l'accusation renvoie en note de bas de page 224, illustre parfaitement ce point. Certes, P1289 allègue que la personne qui l'aurait arrêté lui aurait reproché d'être un partisan de Bozizé.
Mais le témoin ajoute immédiatement, et je cite, « Sur la route, il m'a confié qu'il venait du Tchad et qu'il avait aidé Bozizé pendant son coup d'État, mais que Bozizé ne les avait pas récompensés. » Et je renvoie ici à la déclaration antérieure, 21-27, 76-32, paragraphes 42 et 43. L'on voit bien ici que l'individu qui aura arrêté P1289 exprime non pas une politique générale, mais bien un ressentiment personnel de n'avoir pas été récompensé d'avoir soutenu dans le passé François Bozizé. Au paragraphe 79 de son PCB, l'accusation affirme que, je cite, « Adam et Jotoja ont également prononcé des discours à la radio qui mentionnaient Boyrab et ses habitants d'une manière propre à faire naître chez eux la peur panique d'une attaque imminente. » Fin de citation. L'on s'attend alors à ce que le procureur renvoie à ses supposés discours. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le procureur renvoie au témoignage d'un unique témoin qui affirme avoir entendu un unique discours à la radio et qui donne sa propre perception de ce discours. C'est le témoin P100-0100. Car OTP 21-18-63-31. Paragraphe 39. Où est donc ce discours? Nous ne le savons pas. Où sont au final ces fameux discours publics dont parle l'accusation? Nulle part dans le dossier. L'on peut donc constater que l'accusation, une fois encore, affirme sans démontrer, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et qu'en définitive, il n'a pas démontré l'existence d'une quelconque politique. J'en viens à la question du fameux gouvernement de la Séléka, dont parle l'accusation et qui ne recouvre donc aucune réalité. Nous l'avons déjà vu, et je n'y reviens pas en détail, qu'il n'existe pas de gouvernement de la Séléka. Il y a à cette époque un gouvernement de transition nationale qui inclut des personnalités du tout le spectre politique centrafricain et de la société civile. Qui s'inscrit dans les suites des accords de Libreville et en constante coopération avec la communauté internationale. Par exemple, le témoin P2328 décrit la coopération entre le gouvernement de transition et le bureau local de l'ONU pour cantonner des éléments de la Séléka.
Je renvoie à sa déclaration antérieure. Donc c'est P2328. Car OTP 2099 0165. Paragraphe 255. Surtout, ce que le procureur omet de préciser par rapport à notre conversation précise, c'est que des poursuites ont été engagées contre les pilleurs et délinquants se revendiquant de la Séléka, notamment après les événements de Boyrab. Ces poursuites ont fait l'objet d'une couverture médiatique. Et je renvoie aux pièces car OTP 2023-11-16-2005-54-24. Et la pièce 498 de notre inventaire de preuves. Ces poursuites ont été documentées par les ONG. Et je renvoie notamment à un rapport de la FIDH 2001-2890. Et ressort des déclarations des témoins de l'accusation qui étaient dans une position d'autorité. Et je renvoie à la déclaration de P234. Le procureur dispose même d'éléments matériels, concrets et officiels attestant de ces poursuites. 24 PV d'audition des autorités centrafricaines portant sur les poursuites contre des individus se revendiquant de la Séléka. Nous les avons tous. Et je renvoie aux pièces 197 à 220. Je renvoie aux pièces 197 à 220 de notre inventaire de preuves. Tous ces éléments sont complètement ignorés par l'accusation. Et donc, l'accusation, comme à chaque fois que la réalité ne cadre pas avec son récit, l'ignore, tout simplement. Il convient donc de constater que sur cette question, comme sur d'autres, nous avons d'un côté le procureur qui nous demande d'accepter presque sur parole l'existence d'une politique, d'un État ou d'une organisation qui ne démontre jamais. Et de l'autre, nous avons des éléments matériels, concrets,
des preuves documentaires tangibles qui démontrent exactement le contraire. Il ressort de la preuve du procureur que si politique de l'État il y avait, il s'agissait tant bien que mal, dans une situation de désorganisation chaotique. De désarmer les individus se revendiquant de la Séléka et de les poursuivre en suivant la procédure judiciaire pour les exactions commises. À ce stade de la démonstration, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, il ressort clairement que se sont effondrés les deux piliers sur lesquels repose le dossier de l'accusation. Les allégations de crimes de guerre, comme les allégations de crimes contre l'humanité. L'accusation est incapable de démontrer ni l'existence d'un conflit armé à caractère non international, ni l'existence d'une quelconque politique d'un État ou d'une organisation. Dans ces circonstances, comme un effet domino, il est normal que s'écroulent à leur tour naturellement les allégations du procureur visant M. Saïd. Comme nous l'avons déjà vu, dans un contexte de désorganisation de l'État, l'OCRB exerçait tant bien que mal ses fonctions de lutte contre le banditisme et la délinquance. Nous vous avons démontré que les personnes détenues à l'OCRB relevaient d'actes de criminalité de droit commun. Et que l'OCRB contribuait à son niveau à la lutte contre les pillages commis par d'anciens Séléka dans Bangui, ce que relève d'ailleurs la FIDH. En effet, la FIDH, dans son rapport CAR-OTP 2001-2890, indique clairement que les poursuites engagées contre les individus Séléka qui avaient commis, les individus qui avaient commis des pillages à Boyrab en août, que ces individus avaient été détenus à l'OCRB. C'est la page 2933. Dans ce contexte où la mission de l'OCRB était de participer à des missions de maintien de l'ordre, quoi de plus normal que M. Saïd, comme volontaire, pour aider Mazingué dans un contexte de sous-effectif, comme nous l'avons dit, ait pu participer à l'intendance, à s'assurer que les personnes travaillant à l'OCRB, par exemple, disposent de nourriture et de moyens leur permettant d'assurer leur mission de maintien de l'ordre.
Quoi de plus normal qu'à l'occasion, M. Saïd ait pu participer, toujours comme volontaire, à l'accueil et au processus de triage des personnes arrêtées. Quant aux allégations de débordement, au-delà d'être fondées sur des éléments de preuve parfois douteux et contradictoires, comme nous allons le voir par la suite, regardons ce que la preuve elle-même du procureur nous démontre. Il s'agit de cas isolés. Ce sont des actes opportunistes qui ne suivent aucune logique, révèlent un manque absolu de cohérence ou d'organisation, présentent un caractère aléatoire entre les auteurs allégués, même parmi les auteurs allégués, des raisons des violences, de la fréquence de ces débordements. Il ressort aussi fréquemment que les motivations des auteurs sont purement pécuniaires. Afin d'obtenir de l'argent de la famille. Il convient de constater une évidence qui ressort de la preuve de l'accusation. Rien ne démontre que ces actes finalement isolés, si l'on prend en compte toute la période des charges, participent d'une quelconque politique générale. Et c'est là la clé, ici, à la Cour pénale internationale. Ces comportements sont-ils souhaitables? Bien sûr que non. Constituent-ils des crimes internationaux? Là encore, bien sûr que non. Et c'est parce que ces actes isolés ne participent à l'évidence pas d'une politique générale que le procureur est incapable de démontrer l'existence des éléments constitutifs des modes de responsabilité. Par exemple, le procureur, comme pour la politique d'un État ou d'une organisation, dans le cadre de l'élément contextuel des crimes contre l'humanité, n'essaie même pas de démontrer un quelconque plan commun auquel aurait participé M. Saïd. La démonstration d'un tel plan commun étant une condition, étant pourtant une condition sine qua non du mode de responsabilité sous l'article 25.3a, celle de la coaction indirecte. Ainsi, opérant encore une fois sur la base du même procédé, consistant à ne rien vouloir démontrer, l'accusation invite la Chambre à tout simplement déduire le plan commun de l'existence d'exactions. Et j'envoie au paragraphe 203 du PCB. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la circularité de l'approche du procureur sur la politique générale s'applique ici. Le procureur ne démontre rien.
Il présuppose que les exactions participent d'un plan commun et donc parce qu'il y a eu plan commun, les exactions existent. Voyez bien qu'il n'y a jamais de démonstration dans cette logique. Donc le constat est simple, le procureur n'ayant pu démontrer l'existence d'une quelconque politique, d'une quelconque organisation, c'est naturellement que l'on peut constater qu'il ne démontre l'existence d'aucun plan commun. Dans ces conditions, en raison de cette faille originelle dans le raisonnement du procureur, cette absence de démonstration originelle concernant la politique, qui elle-même vient d'une faille de n'avoir jamais expliqué ce que serait la Séléka, il n'est pas besoin de revenir en détail sur chaque élément des modes de responsabilité invoqués par l'accusation. Deux remarques rapides néanmoins, notamment en réponse à la présentation de l'accusation hier. Premièrement, il convient de s'interroger sur la qualité générale des témoins de l'accusation, notamment ceux qu'ils présentent comme des témoins de l'intérieur, des insiders. Et j'aimerais, Monsieur le Président, pour développer brièvement ce point, passer à huis clos partiel, s'il vous plaît. Mr. Court Officer, oui.
We're back in open session, Mr. President. Thank you very much. You can continue, Mr. Counsel. Deuxièmement, la Chambre pourra constater qu'une grande partie des allégations formulées par l'accusation contre M. Saïd sont fondées sur une unique source et que souvent cette unique source rapporte des oui-dire anonymes. Ce que se garde bien de dire le procureur dans son PCB. Prenons un exemple. L'accusation indiquait en audience hier que le témoin P0853 a dit, et je cite, le témoin P0853 se souvient que M. Saïd était présent régulièrement et dormait même au CEDAD. Fin de citation. Et je renvoie au transcrit real-time d'hier, du 12 octobre 2021. Page 84, lignes 26 et 27. On peut imaginer que le procureur considère que P853 est un bon témoin pour sa cause, puisque dans une présentation relativement courte, il choisit de le mettre en lumière pour nous et de le mentionner. Or, que nous dit le témoin ? Et je renvoie à sa déclaration antérieure. 21-27-96-97. Et je cite, paragraphe 21, donc, « Saïd était toujours au CEDAD, il y dormait même parfois. » C'est ce que m'ont dit certains des éléments de la Séléka qui montaient la garde pendant la nuit et l'ont côtoyé. Il nous semble que ce soit une légère déformation des propos du témoin qui rapporte un oui-dire de dire qu'il se souvient de quelque chose, puisqu'il n'y était même pas. D'ailleurs, dans la note de bas de page 875 de son PCB, l'accusation prétend corroborer ce témoin dont on vient de parler, donc qui rapporte un oui-dire, avec le témoignage de P839. Qui est donc ce témoin qui pourrait se prononcer sur le rôle allégué de M. Saïd au CEDAD ? Un témoin qui énonce clairement, et je cite, « Je ne suis jamais allé à la CEDAD moi-même. »
et je renvoie à sa déclaration antérieure 21 CAR-OTP 21-27 97-80. Paragraphe 18. Voici donc la preuve, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, que l'accusation estime la plus solide de son dossier, puisqu'elle en parle en audience. Un témoin qui rapporte un oui-dire anonyme. Et un témoin qui n'a même jamais mis les pieds au CEDAD. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, permettez-moi de conclure en citant une phrase bien connue d'Albert Camus. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. Comme le disait donc Albert Camus. Or, on l'a vu, le PCB de l'accusation constitue une accumulation d'affirmations dans lesquelles elle nomme mal les choses. Elle nomme mal la Séléka. Elle nomme mal le gouvernement. Elle nomme mal la politique. Elle nomme mal le conflit armé. Elle nomme mal les crimes de droit commun s'étant produits à Bangui. Elle nomme mal le rôle et le fonctionnement de l'OCRB et du CEDAD. Et donc, enfin, elle nomme mal le rôle de M. Saïd. L'objectif de l'accusation, transformer la nature des événements, transformer la réalité. Pour pouvoir transformer ces allégations en crimes internationaux. Vouloir à tout prix, comme le fait l'accusation, faire rentrer cette criminalité de droit commun dans la case de la justice pénale internationale, c'est non seulement trahir la cause et la nature de la Cour pénale internationale, mais en définitive, et c'est plus grave, nier la réalité de ce que vivent les Centrafricains depuis des décennies, dans un contexte de violence coloniale et postcoloniale que nous vous avons déjà décrit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vois qu'il nous reste un petit quart d'heure, mais nous allons user de ce temps pour commencer la présentation de Maître François Jacquemin. Comme ça, nous serons sûrs de finir au plus tard à 15h pile. Voilà. Thank you very much. You're allowed to do so. Thank you. And thank you, Mr. Jacob. Pas de conflit armé. Pas de politique générale. Pas de plan commun. Mais ce n'est pas tout. En su d'appliquer le droit pénal international,
à une situation qui ne s'y prête guère. Le procureur fonde son accusation contre M. Saïd sur un empilement désordonné d'événements. Il construit un récit fictif, celui d'une hiérarchie à l'OCRB, hiérarchie au sommet de laquelle se trouverait M. Saïd. Néanmoins, ce récit ne résiste pas à l'analyse du PCB. Dans un premier temps, nous vous présenterons la faiblesse probatoire des éléments utilisés au soutien des événements reprochés à M. Saïd. Nous nous baserons quasi exclusivement sur les éléments contenus dans le PCB. Dans un second temps, toujours sur la base des éléments fournis par le procureur, nous découvrirons que dans ce Bangui 2013 chaotique, la réalité de l'OCRB était celle d'un vide institutionnel. Ainsi que celle d'une lutte contre la délinquance et la criminalité. Pour commencer, concentrons-nous sur la faiblesse probatoire de l'accusation. À propos de l'OCRB, l'accusation présente 20 éléments. C'est beaucoup. Sur ces 20 éléments, 9 ne reposent que sur un seul témoignage. C'est beaucoup aussi. 4 s'appuient sur des récits de plusieurs témoins, récits fortement discordants. Enfin, 4 autres rapportent des détentions effectuées sous contrôle juridictionnel. À notre connaissance, aucun système moderne de droit pénal n'accepte de fonder une accusation sur une simple plainte, sur un unique témoignage, non corroboré. Le procureur vous demande de faire exception à cette constante, de vous affranchir de la règle testis unus, testis nullus. 9 événements sont basés sur un seul témoignage. Le procureur vous demande de considérer qu'une somme de rien finit par faire quelque chose. En l'espèce, une accusation sérieuse contre M. Saïd. C'est une adaptation juridique et contemporaine de calomnier
calomnié, il en restera toujours quelque chose. L'événement A n'est basé que sur un seul témoignage, celui de P1167. L'événement C n'est basé que sur un seul témoignage, celui de P0481. L'événement D n'est basé que sur un seul témoignage, celui de P2692. L'événement F n'est basé que sur un seul témoignage, celui de P0622. L'événement G n'est basé que sur un seul témoignage, celui de P0481. L'événement M n'est basé que sur un seul témoignage, celui de P2519. L'événement O aussi n'est basé que sur un seul témoignage, celui de P1737. L'événement Q n'est basé que sur un seul témoignage, celui de P2179. La liste se termine, rassurez-vous. L'événement T, qui rassemble plusieurs occurrences, pour chaque occurrence, chacune ne se base que sur un seul témoignage. Au-delà de cette étonnante absence de rigueur, lorsque différents témoignages peuvent être croisés pour en vérifier la véracité, le procureur occulte les du soldat a eu lieu quelque temps avant l'opération de désarmement menée contre l'OCRB d'Amala. Fin de citation. Or,
cette opération de désarmement est datée d'avril 2013, au paragraphe 55 de cette même déclaration. Voilà pour P2504. Mais le témoin P2607, quant à lui, est également formel. C'est le 27 juin 2013 qu'a eu lieu l'arrestation. Carreau TP 2127, 95-27, paragraphes 15 et 16. Avant avril 2013, le 27 juin 2013, d'autres incohérences existent entre ces récits. Mais le point le plus troublant concerne le décès du soldat soi-disant arrêté. Ainsi, d'après les preuves apporté par P2607, principal témoin. Le décès du soldat aurait eu lieu le 27 juin 2013. Ceci, d'après le certificat de décès du 27 juin 2013, portant un tampon du 3 juillet 2013. Carreau TP 2116-09-94. Mais dès lors, que faire du certificat de décès enregistré, lui, le 30 juin 2013? Carreau TP 2116-09-92. Il est d'autant plus difficile de décider entre ces deux certificats de décès que P2607 concède qu'il ne connaît aucun nom sur le registre mortuaire présenté par les enquêteurs. Carreau TP 2127, 95-27, paragraphe 32, qui mentionne carreau TP 2044-06-31. Monsieur Jacquemin, if you can conclude on this point, then I have to break. So if you have, in a couple of minutes, if you can finish your reasoning on this point, then we'll continue after the break. Entendu, Monsieur le Président. Sur ce point, enfin et surtout, que dire du dossier militaire du soldat qui mentionne un décès des suites de maladie le 25 novembre 2013 ? Carreau TP 2116-09-95. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Well, okay, then, thank you very much. I think you are left with some 38 minutes. So now I will break for lunch and we will see each other at 2:30 in the afternoon. Thank you very much. Nice afternoon. All right, we have a living.